Moi, je joue pas à Call of. Ouais, Roika, peut-être il joue à Call of. Fortnite est 700 là. Techniquement, il y en a 98, 99. Si on joue sur la carte. Y'a quoi dans la boutique? Oh, c'est qui? Oui, Lewis Hamilton. Je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il y a plein de meufs qui fantasment sur Lewis Hamilton, ça me fait halluciner. Je connais plusieurs filles, elles sont en mode ah oh, putain, il est trop beau. Enfin, plein de trucs, et genre, regarde pas la Formule 1. Enfin, si, il y en a même que je connais qui regardent la Formule 1 juste pour Lewis Hamilton, c'est dinguerie. Je connais une allemande. Depuis que Lewis a esquivé la calvas, il est au calme. Comment ça, il a esquivé? C'est parce qu'il est trop retiré sur son. Arrêtez vos histoires de calvasse. Je refuse de croire qu'il avait la calvasse. Ah ouais, je trouve qu'il est stylé, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, il a un skin Fortnite à son nom. Des tortues ninja. Les skins sont bien, mais jamais j'ai un skin tortue ninja. April O'Neil. Ils ont fait le skin Lego. Vous voulez pas jouer là, Lego Fortnite? Il est où là, Zanti? Zanti, depuis qu'il a essayé de faire son ordi, il a disparu. Son ordi, il démarrait pas. Mais je pense que c'est sa carte graphique qui est un chac. Hein. C'est le seul truc que je vois. J'espère pour lui que c'est pas ça. Mais je dis, hein, carte mère neuve, RAM neuve. C'est le carte café sur la carte. RAM 9, carte mère 9, processeur 9. Le truc démarre pas. Le seul truc qui marche pas, c'est la carte mère. La carte graphique, il a récupéré de son ancien ordinateur. C'est vrai que son ancien ordinateur ne démarrait plus. Et lui, il a dit que c'est la carte mère pour lui qui marchait pas. Mais ça peut très bien être la carte mère, elle fonctionnait et que la carte graphique ne marchait pas. Du coup, il a réimporté l'élément qui marchait pas. Et le processeur qu'il avait n'a pas de. Son alimentation bride son ordi. Mais t'étais là, Raika, sur son live? Non, il avait une bonne Aline, il avait une Corsair. Non, mais là, l'ordi, il démarre pas du tout. Ça fait un écran noir. Et le truc, c'est que le processeur qu'il a, c'est un 14900, je crois. 14700. Un 14700. Dernière génération i7. Mais il a pris une version KS qui n'a pas de circuit graphique. Et même s'il me disait le contraire, il me semble que quand t'as pas du tout de puce graphique, les ports HDMI de ta carte mère ne fonctionnent pas. Faut impérativement que ton processeur il ait une puce graphique dedans, celle Intel HD, Intel Iris. S'il n'y a aucune puce graphique, s'il n'y a aucun circuit graphique, je vois pas comment tu peux afficher quelque chose sur la carte mère. C'est pour ça qu'il peut pas tester Pour moi, il faut qu'il teste avec une autre carte graphique. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Je pense qu'il faudrait qu'il teste avec une autre carte graphique s'il en a une. Mais en sachant que la carte graphique fonctionne. Tu vois le skin de la sorcière? Ouais, celui de la sorcière rouge. J'aime bien. Mais j'ai pas acheté. J'aime bien Gamora aussi. Gamora est jolie. Mais en ce moment, il n'y a pas grand chose sur Fortnite. Enfin, en gros, ils ont fait plein de skins et ils n'arrêtent pas de les ressortir maintenant. Je trouve pas ça très intéressant. En vrai, ils ont tellement de skins, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ah, si, bat. Pour banane, ça. Game for ban, merci Rika. Ton alim de 2010, c'est une bonne alim. Non, il a acheté une alim, il a acheté une Corsair.
C'est une Corsair avec la lumineuse et tout. Non, c'est une bonne Aline qui l'a racheté. C'est pas Aline qui pose problème. En fait, il a tout racheté, sauf le boîtier et la carte graphique. Mais sa carte graphique, c'est 1060 Ti. Et ces cartes-là, elles peuvent facilement avoir un court-circuit, pour être précis. Sur les pins, si tu branches mal et que t'as... Là, j'ai une 4060 Ti. Et en fait, c'est un demi port PCIe. C'est-à-dire que, tu vois, ça prend la moitié du port PCIe. Et le reste est libre. Ce qui fait que tu peux la décaler légèrement et faire des pins se coller entre eux. Parce que tu n'utilises pas toute la RAM PCIe. Et ça, c'est dangereux. C'est ça qu'a fait Hartley. Hartley est en train de jouer à Fortnite. J'ai envie de rejoindre le groupe pour l'embêter, mais je vais pas l'embêter. Je vais être en stream. Je vais pas l'embêter. Ça fait un shoot-out pour elle quand je fais ça. Je peux pas te dire, je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que son ordi, malgré toutes les pièces qu'il a rachetées, sauf la carte graphique et la tour, bah sa carte elle démarre pas. J'entends rien, qu'est-ce qui se passe chez Hartley? Je crois que ce sont des faux locks, mais je suis pas sûr. Voilà, elles sont super super propres ces twists. La locks en fait. Mais je pense que c'est des faux locks. Elles sont beaucoup trop propres. Genre même moi tu vois, j'ai des braids, tu vois, t'as des chichis de cheveux, tu vois, c'est... Tes cheveux ils poussent. Les faux locks je peux mettre autour en fait des cheveux. Et du coup tu n'as plus de chichis. Et tes cheveux ils poussent à l'intérieur. Wouah! J'ai tout l'écran qui clignote, au secours! Là c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ça rame. Genre ça rame comme j'ai jamais ramé dans un jeu. Dinguerie! Toujours ce jeu, à chaque fois il y a une mise à jour, ça fait du dinguerie. On voit comment ils nous codent le jeu à chaque fois. Mon ordi il fait tourner Hellblade en ultra, mais Fortnite non. Analyser là, hop, hop. Laisse-moi tranquille le jeu. J'ai cliqué sur faible. Mais je pense que c'est les cœurs IA utilisés pour ma gueule qui font ça. Ah ça y est. Ça rame d'une force. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est bon là. Vous avez des solutions pour Fortnite? No joke hein. Vous avez des solutions pour pas ramer sur Fortnite? J'aime trop Wild Rift. Je joue Séraphine sur Wild Rift. Alt F4 le jeu.
Eh les gars, je suis génération Y, hein. J'ai pas dit que j'étais génération Baby Boom ou génération Alpha. Ça, ça marche avec les Alphas. Aucun respect. Désinstaller Fortnite et jouer sur téléphone, ça rame moins. Ça rame tellement que j'arrive pas à jouer. Génération T, elle n'existe pas, génération T. Voilà, elle datait des années où il n'y avait même pas le concept de génération. Je crois que le concept de génération, Banos va peut-être me corriger. Je crois que c'est venu avec les baby boomers. Parce que la génération avant les baby boomers, je ne sais pas comment ils appelaient génération V. Je pense qu'il n'y avait pas de concept de génération. Une génération, c'est combien? C'est 100 ans? Non, c'est moins de 100 ans. Bon, qu'est-ce que tu proposes toi, frérot? Ah, y'a un mec qui veut me baiser les fesses. Y'a 16 points de vie qui lui restent. J'ai plus rien. Attendez. Ouais, non, mais c'est chaud, les gars. J'ai 25% de mon CPU qui est utilisé par l'IA pour mettre mon fond vert virtuel. Il y a un moment. Il y a un moment, faut doser aussi. Et le reste, c'est pour le micro, là. Attends, je vais quitter Nvidia. C'est le retour des grillons dans le casque. Voilà. Et la webcam. Tous les 15 ou 20 ans. Faut voir une vraie évolution dans le mode de vie. Coucou, on te voit. Ouais, je cherche juste à changer ma cam. Parce que je vais passer la cam en direct en fait. Ah mais c'est pour ça que j'avais mis l'arrière-plan, mais l'arrière-plan il me fait ramer. Pardon. Comment ça t'as répondu au pif? Tu parles, tu vois? Plein de gens que ça raconte, c'est la pète. Toujours écouter tout le monde. T'as pris quoi ce soir, Club Provence? Vas-y, répondais par rapport aux générations. Après, je sais pas pourquoi c'est revenu sur le tapis d'ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à activer la caméra? Logitech Screamcam.
dinguerie. Voilà, ça y est. Elle est là, cette cam. Et pour le jeu, normalement, vous allez le voir directement en cliquant dessus. Non ? Jeu. Ah, voilà. Pour lancer une partie. Moi, parler français. Au moins, c'est honnête. On est tous honnêtes ici. Je me lasse très vite d'un jeu. Vous savez que le jeu avec Korra, c'est presque les mêmes graphismes sur Avatar. What? Korra, c'est pas la fille de la, du dessin animé Avatar. Qu'est-ce qui se passe dans Fortnite? 24 mai. Ah, dans deux jours. Ah oui, j'ai entendu que dans deux jours, il y a le truc de Fallout qui arrive. Et de Dune, là. Dans Fortnite, c'est pour ça qu'il y a ça. Et que ça va encore toute la map, et que du coup, après, ce sera complètement déserti. Où le moins Olympe? C'est là. Oui, il y aura Dune dans Fortnite dans deux jours. Dune et Fallout, il y aura les deux. C'est pour ça que là, il y a ça, là. Putain, je comprenais pas pourquoi il y a pourquoi la tempête elle est comme ça. Vous avez pas SMR. Les SMR pour le coup. Il faut choisir une limite de 5 secondes. Hein. Les gens qui nous voient jouer à Fortnite doivent se dire quelle bonne dame aussi. Comment ça se fait que... Il y a un mec qui est là, il est là sans être là. Okay. Il doit être en dessous, il y a un truc que je dois pas connaître. Ouais, je l'entends courir. Les gens sont énervés sur la fin de saison là. Mec, ils jouent leur vie dans le jeu. Ah ouais. Ah ouais.
pense que c'est parce que le jeu est... que je pense que la saison elle termine là et que les gens sont énervés quoi. Qui m'apprend à jouer à League of Legends là pour que je puisse enfin séduire Taïwana. Sans moi, vieux. Bah, c'est si dur que ça de me faire devenir un dieu à League of Legends. En plus, j'ai tous les persos dans le jeu. Au moins, il y a un skin. Ouais, le jeu, c'est juste ça. C'est déjà plus que moi. La colère de Zeus s'abat sur vous. Et la ruine pointe à l'horizon. Vous devez prouver la valeur de l'humanité à Zeus et aux gardiens de l'Olympe. Quand même ouf que... Avant ah que oui. le ciel ne s'assombrisse. C'est quand que tu joues à Immortal Phoenix Rising? Enfin, destin intéressant à prédire. J'aime bien tellement ce jeu en plus. Les tragédies. C'est vrai que ça me rappelle Immortal Phoenix Rising, qui est en français en plus. Transformer. C'est trop bizarre. Ouais, j'avais ça. Ils sont vraiment bizarres, hein, des fois. Hein. J'ai bien avancé sur Star Wars Tap Game, là, je vais me détendre sur un jeu social. Je sais pas si les jeux sociaux sont vraiment un truc de détente. Ah merde, j'ai pas de balles. Oh le bâtard. Mais arrête de tirer au fusil à pompe à 4 km frérot. Quoi ça? Ça a pas marché quand même. Ça a vraiment marché. Allez, d'accord. Ok. Vous avez cette technique pour vous échapper, vous pouvez vous cacher dans un escalier. J'aurais pas pensé que ça fonctionnerait. Par contre, je suis coincé et je suis obligé de le péter pour partir. J'ai pas d'armes. Ah, franchement, ça me saoule. Ouais. À la base, je voulais embaucher ce mec-là. Là. Voilà. Putain, y a pas d'armes du coup. Y a pas une arme à la con. VR chat. J'avais VR chat, hein. Roblox. Alors, bah, au barreau, je veux bien essayer plein de trucs. J'ai essayé pour Roblox, je veux plus jamais jouer à ce jeu. Je veux plus entendre parler. Parce que vraiment, Roblox, c'est vraiment de la merde. Hein. Et là, pour le coup, je pense pas que c'est une question de génération.
C'est un des jeux les plus moches que j'ai jamais vu. Avec Lambeau. Lambeau, elle joue à quoi? À Roblox? Attends, elle est en ligne, Lambeau? Ça fait longtemps que j'ai pas eu Lambeau. Lambeau, elle stream plus. Elle nous a abandonné. Ouais, c'est tellement pour... Ouais, tellement pourri. C'est les enfants dont les parents leur attaquent. Pour moi, c'est toujours d'une. Tu sais que Twitch chatting et tout, on te reconnaît parce que t'es tellement négatif en fait que. On sait que c'est toi. C'est une dinguerie quand même. Pas le bout. Ça c'est son chat. Ouais, c'est noir mon or, c'est dingue. Je sais pas de quel est le vrai. Et si j'étais mort, ça aurait été abusé. Un gars sincère, très positif. Mais franchement, pour essayer d'associer pédo et Roblox, je trouve que c'est chaud, tu vois. Juste voler ce truc là. Attendez un instant. On est d'accord qu'on peut recruter plusieurs. Je veux recruter Chewbacca. Chewbacca, laisse-moi te recruter. Ouh! Non mais je veux pas ça. C'est bien ça. Au secours. M'en fous, MDR, c'est vrai. Tous ceux qui jouent avaient pas la thune pour acheter Minecraft. Ah, tu veux dire que les gens qui jouent à Roblox, c'est les gens qui jouent à Roblox parce qu'ils avaient pas la thune pour Minecraft. Minecraft coûte 2 euros en ce moment, je veux l'acheter sur mon iPad. Mais il faut que je mette ma carte bancaire. Je ne suis pas d'accord. Hé, hey, Clavicule, va jouer à Hellblade 2 là, tu l'as fini au moins? Qu'est-ce que t'en penses d'Hellblade 2? Le bug, il a harcelé le stream pour Hellblade 2 depuis 2 ans. Et maintenant qu'Hellblade 2 est sorti, le bug, il n'en parle plus du tout. Donc je comprends pas.
C'est Alter Ego qui t'a fait peur sur le jeu. J'ai bloqué le mot pédo sur ma chaîne, tu vois. Comment ça se fait qu'il te fascine autant, je vais dire ça comme ça. Parce qu'en vrai, je pense que la plupart des gens, ils y pensent pas, quoi. Tu vois, je connais personne qui se dit Twitch égale pédo. Enfin, dire, c'est chaud, tu vois. Je veux dire, t'es littéralement sur un stream où je suis en train de jouer à Fortnite. Je sais pas si t'imagines, hein. J'ai pas encore fini, je joue sur les S, pour l'instant je suis un peu déçu. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a déçu? Bon, ça c'est une autre histoire, je fais ma vie, au pire il y a les émissions Riken qui les chasseront. C'est quoi cet endroit là? Qu'est-ce qu'il est bien Fortnite? Ah, mais je peux voler! Me parle pas du sujet, tu fais souvent ça. Tu parles d'un sujet, après tu reproches, je te dis, puisque tout le monde sait. C'est à moi que tu parles! Mais si c'est à moi que tu parles, à aucun moment j'ai lancé un sujet à propos de la pédophilie. C'est le premier point. Et le deuxième point, si je dis à quelqu'un d'être positif. Et encore, si je dis que quelqu'un est négatif dans sa manière de penser, ça veut pas dire que moi je suis négatif ou positif dans ma façon de penser, ça veut dire que la personne est négative dans sa façon de penser. Et je te le dis parce que t'as associé la pédophilie à Roblox. Et c'est là où j'ai dit c'est chaud, tu vois. Parce que c'est pas du tout ce dont on parlait sur le stream, tu vois. Après, si tu veux pas comprendre pourquoi j'ai dit ça, je comprends pas. Ah, fais-lui mourir. Bah oui, c'est négatif. C'est que t'as une pensée extrêmement négative sur Roblox, alors que c'est pas de ça que je parlais. Moi, quand je parlais de Roblox, c'était pas bien comme jeu. C'est parce que graphiquement, le jeu est vraiment pas ouf. Et ensuite, bah... Oui. En fait, les personnes qui jouent... Les enfants, c'est souvent des enfants. Les enfants qui jouent à Roblox, je comprends pas qu'ils jouent à Roblox parce que ils ont des alternatives comme Fortnite d'un côté ou... Effectivement, il y a Minecraft, mais Banos a remonté un point, il disait que Minecraft est payant. Et Banos a raison, Minecraft est payant. Et je crois que Minecraft c'est quand même 10 balles, hein, je crois ça. Je pense que c'est quand même 10 euros. Hein. Branche-toi sur Roblox, tu verras. Je me suis connecté à Roblox, j'ai pas eu de pédophile, voilà, tu veux savoir. Par contre, j'ai vu qu'on m'a proposé 10 balles pour jouer à un jeu de caisse qui était bien claqué, et une copie de Sony qui était pourrie et c'était 5 euros. Ça, c'était pas ouf. Sinon on s'en branle, c'est comme dire que dans la vie il y a des morts. Dans la vie il y a des morts. Il est dans le Game Pass Minecraft, il est dans le Game Pass. C'est bien la foudre où on se fait niquer avec ça, au lieu ça. C'est une arme mythique, j'ai l'impression que c'est un peu à chier. Bon, on va prendre ça. Attends, j'entends des pas, il y a un mec qui veut me baiser mais je sais pas où il est. L'arbalète c'est bien. Oh, attends, je retourne. Parce que ça, le problème c'est que je me fais baiser parce que je crois que ça prend trop de temps à tirer comme ça. Et en fait, il y a que le troisième qui vraiment tue, tu vois. Du coup, j'ai un peu peur. Mais l'arbalète, j'ai jamais utilisé. Il n'y a pas de bullet drop sur l'arbalète. Ok, et j'ai mis zoom l'arbalète. Mais l'éclair non plus, non? Ou alors je peux l'utiliser que trois fois. Fois. Mais je te dirais, 3 fois, c'est déjà 3 fois de trop, hein. Je vais viser le dernier, hein. J'ai perdu mon arbalète. Ah non, elle est là. La guerre proie a pas du peu pont. Ça c'est pas ouf en fait. Ça j'aime bien en vrai. Ouais, j'ai ça aussi. J'ai que des bonnes armes.
Ouais, on fait ça. Je fais confiance à Clavicule. J'avais un petit pistolet. Bah tiens, la vitesse. 238 quand même. Hein. C'est hyper chaud. Hein. Je vais mourir. Bizarre, il est censé y avoir un mec là. Je l'ai vu atterrir. Je le vois plus. Là-bas. Putain, j'en ai marre. C'est pas ouf hein, l'arbalète, hein, canicule. En fait, j'ai l'impression que quand tu tires, il y a un délai entre le moment où tu tires et le moment où la balle arrive. Tu vois. Du coup, quand tu tires de loin, c'est vraiment dur de viser. Après, j'ai cru voir qu'elle fait du one shot. Là, il y a un mec qui arrive. Il y a un mec dans l'arbre. Du rollback de ouf. Canicule. Canicule dans la foutie. Arrêtez, je suis concentré sur le jeu là. Je suis 4. Je suis 4 et j'ai 6 kills. Je me dis que le top 1 est possible. Il faut traverser. Je vais me faire baiser en fait. Il est bien le blaster. C'est peut-être mieux, non? Bulle protectrice. Lui, il veut que je prenne ça. La maison, c'est quoi ça? C'est bien la chaîne d'Hadès? J'ai l'impression que ça fait 4 ans que j'ai pas joué à Fortnite, tellement il y a des trucs chelous. La chaîne, j'avais pris, c'est pour taper de près, je crois. Et je pense que tu peux ramener les ennemis vers toi. Bon, écoute, de toutes les façons, la dernière zone, elle sera là. Donc, ce qu'on va faire, technique un peu bâtard.
va attendre en haut là. Là ils peuvent pas venir derrière normalement. Sauf si c'était du pont là. Normalement je suis bien là. Je sais pas comment j'ai fait pour me faire avoir. Je suis sûr là. Quel creux. Quel bâtard! Alors je vois, je vais péter des arbres. Ah là là! Sournois! C'est pas toi qui es dans la partie là, Banano, tu m'as pas scream snipe. C'est abusé. Abusé. Là, jette les ailes, ça sert à rien. C'est vrai. Comme si on avait pu monter sur un arbre. Là, regarde, il y a Loki et Sylvie. Dune, il est là, regarde. La saison 5 débridée. Un super prédateur boosté à la nitro. C'est des voudailles dans le Battle Royale le 24 mai. Avec les bateaux et tout, ce sera Dune. Il y avait une autre image avec Fallout. Je la voulais, elle. Je l'ai pas eu. Tu peux faire top 1 à la pioche? Non. Déjà, je le fais pas top 1 sans pioche. Alors top 1 avec la pioche, tu peux toujours rêver.